La communauté scientifique progresse continuellement dans la mise en œuvre de nouveaux traitements contre le cancer. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications cling, clang, cling, cling, cling afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Le cancer du foie ou carcinome hépatocellulaire se développe à partir d'une maladie hépatique chronique causée par de multiples facteurs de risque. Il est fortement associé aux infections chroniques par le virus des hépatites B, C, VHC, VHB, les hépatites chroniques avec d'autres facteurs de risque associés tels que le co-infection par le virus de l'hépatite D. La consommation d'alcool et de tabagisme peuvent présenter un risque accru. Le cancer du foie. Le foie est l'un des plus gros organes du corps et il est situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il est composé de deux lobes, droit et gauche, le droit étant le plus grand. Il existe différentes populations de cellules dans le foie. L'organe est principalement composé d'hépatocytes, mais on trouve également des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ou qui recouvrent les canaux par lesquels la bile circule. Selon le type de cellules altérées, on peut trouver différentes tumeurs dans le foie. Celles-ci peuvent avoir un pronostic et un traitement différent. Ce qui est commun à tous les types de tumeurs, c'est que les cellules qui les forment sont des cellules anormales. Celles-ci ont muté et par conséquent, leur croissance et leur division sont devenues incontrôlables. Les traitements contre le cancer du foie, les traitements du carcinome hépatocellulaire sont nombreux et variés. Ils dépendent fondamentalement du type de cancer et de son stade. De plus, les chercheurs tentent continuellement d'améliorer ces traitements. Ici, on va parler de la prévention. Dans la lutte contre le cancer du foie, bien entendu, la prévention joue un rôle très important. On considère que près de la moitié des cas de carcinome hépatocellulaire pourraient être évités grâce au traitement amélioré contre l'hépatite, qui est le principal facteur de risque du cancer du foie. Actuellement, de nouvelles méthodes de prévention de l'hépatite B et C sont à l'étude, ainsi que de nombreux traitements. Et ce, pour éviter que ces maladies ne conduisent au cancer du foie. La cirrhose est un autre facteur de risque de carcinome hépatique. Cette maladie chronique survient à la suite de dommages continus au foie. Ces dommages proviennent généralement soit d'une infection par le virus hépatotrope, soit d'une consommation excessive d'alcool. Le résultat de la cirrhose du foie est que le tissu hépatique sain est remplacé par du tissu fibreux. Ce dernier est similaire à un tissu cicatriciel. Ce type d'environnement dans le foie favorise grandement l'apparition de cellules anormales, ce qui pourrait conduire à une tumeur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à avoir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à prendre soin de votre bien-être au 100% naturel, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et aussi, dites-moi le nom du pays depuis lequel vous me regardez dans les commentaires afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye!